You should be terrified of you. Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo concernant The Last of Us Partie 2. Avant toute chose, je tenais à vous dire un énorme merci, car notre première vidéo de janvier arrive bientôt à 95 000 vues, mise en ligne avec seulement 35 petits abonnés, vous êtes désormais plus de 3000 à nous suivre. Et vous avez raison puisque des vidéos assez dingues vont arriver sur la chaîne avec également 2 interviews déjà programmées pour cet été, que les fans de Naughty Dog se tiennent prêts car nous avons du lourd. En janvier, pour fêter l'ouverture de notre site, de nos réseaux sociaux et de notre chaîne YouTube, on réalisait un bilan de toutes les choses que l'on savait à ce jour sur The Last of Us Partie 2, de son annonce en décembre 2016 à la PlayStation Experience jusqu'aux dernières informations du début d'année 2019. Si vous n'avez pas vu la première partie de la vidéo, je ne peux que vous conseiller de la regarder via la petite fiche qui s'affiche juste ici. Tout simplement car je ne peux pas vous résumer les 20 minutes de vidéo. On s'en était arrêté au 16 janvier 2019 et l'annonce de la participation d'Harley Gross, la co-scénatrice du jeu, en tant qu'actrice dans The Last of Us Partie 2. Quelques jours plus tard, le 23 janvier, c'est le compositeur du jeu, Gustavo Santaolalla, qui indiquait sur son Twitter qu'il était en studio pour enregistrer des musiques du jeu. Le même compositeur qui, 3 jours plus tard, va affoler la toile en annonçant que la sortie de The Last of Us Partie 2 était proche. Dans ses propres mots, le compositeur argentin avait déclaré que, et je cite, « The Last of Us Partie 2 arrivera très bientôt ». Malheureusement, il faut savoir que les détails confidentiels comme la date de sortie est connue par très peu de membres de l'équipe et qu'elle est surtout très incertaine jusque dans les dernières semaines de développement. Il y a donc très peu de chances pour que notre ami Gustavo connaisse réellement la date de publication du titre. Cependant, il a sans doute fait référence à ces séances d'enregistrement qui doivent bien avancer, voire même qui sont peut-être déjà terminées à ce jour. Mais là encore, les musiques ne sont qu'une infime partie du développement et cela ne prouve pas grand-chose. Fin février, Sony organisait l'événement ultra privé Destination PlayStation, un événement réservé aux professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Et lors de cet événement, il semblerait qu'un nouveau trailer de The Last of Us Partie 2 fut dévoilé. Et c'est lors de cet événement qu'une grosse rumeur est arrivée sur la toile, à savoir la date de sortie du jeu qui serait fixée pour le 25 octobre 2019. Or, aucune photo n'a fuité, si ce n'est une affiche d'un revendeur qui fixait cette date pour ses précommandes. Un coup de buzz comme ce genre n'est pas inédit dans l'industrie du jeu vidéo, surtout pour les gros hits très attendus et dont la date de sortie tarde à arriver. Cependant, aucune réelle photo de l'événement n'a fuité nous permettant de confirmer cette date. Depuis, de nombreuses théories farfelues ont fait leur apparition sur la toile et sur YouTube en France mais aussi outre-Atlantique. De nombreux fans pensent que la date de sortie du jeu serait annoncée lors de l'Outbreak Day 2019, à savoir le jour de la contamination dans le jeu The Last of Us, premier du nom sorti en 2013. Et ce jour, c'est le 26 septembre. Tous les ans, Naughty Dog fête ce jour en y dévoilant une petite affiche, une petite information autour de la série The Last of Us. Beaucoup de joueurs pensent que la date de sortie sera révélée ce jour pour une sortie un mois plus tard, le 25 octobre. Toute cette rumeur à cause d'une désinformation. En effet, beaucoup de fans font des raccourcis en justifiant cette théorie selon les propos de Neil Druckmann qui annonçait que la date de sortie du jeu serait donnée peu de temps avant la sortie de ce dernier. Malheureusement, de nombreux fans ont détourné les propos de Neil. En réalité, le coproducteur et co-directeur de Naughty Dog avait simplement dit que les Dogs retenaient les leçons du passé et que les multiples reports d'Uncharted 4 leur ont servi de leçon. Ainsi, la date de sortie sera dévoilée lorsque les Dogs seront sûrs d'eux, lorsqu'ils seront prêts, lorsque le développement sera bien avancé, peu de temps avant la sortie du jeu. Ainsi, là où Uncharted 4 fut annoncé près d'1 an avant sa sortie, pour subir deux reports. La date de sortie de The Last of Us Part II sera sans doute annoncée 5-6 mois auparavant lorsque les devs seront certains de ne plus prendre de retard sur le développement du jeu. Ainsi, la théorie de l'annonce de la date de sortie le 26 septembre pour une sortie un mois plus tard ne tient pas du tout la route, surtout que lorsque l'on connaît les opérations marketing de Sony pour ses grosses exclusivités qui s'étendent sur plusieurs semaines à travers le monde, cela paraît très peu probable. Le mois d'avril sera l'un des mois les plus complets et les plus dynamiques depuis nombreuses semaines. Dès le début du mois, PlayStation met en ligne une vidéo sur YouTube présentant les grosses exclusivités de la PS4 qui ont fait les beaux jours de la console comme Spider-Man, Horizon Zero Dawn ou encore God of War. Dans cette même vidéo, on peut voir Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II. Cela confortait ainsi les fans dans leur idée que le jeu arriverait en 2019. Et Sony va enfoncer le clou puisque 2 jours plus tard, le site officiel PlayStation était mis à jour et The Last of Us Part II apparaissait dans les prochaines sorties. Malheureusement, là encore, les fans se sont sans doute fait du mal pour rien et pas mal de faux espoirs. On peut voir que les jeux présents sont classés par date de sortie, à savoir Days Gone, Immortal et Mortal Kombat pour avril 2019, Rage 2 et Blood and Truth pour mai 2019, Crash Team Racing pour le mois de juin 2019, Control pour août 2019, Concrete Genie va représenter tous les jeux pour la fin 2019 et The Last of Us 2 représente sans doute les jeux de 2020 avec Ghost of Tsushima et Death Stranding qui n'apparaissent pas non plus sur cette section. La semaine d'après débutait la semaine folle de Neil Druckmann qui s'est défoulé sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps sur Twitter, le co-directeur de Naughty Dog a annoncé que le rappeur américain Logic, qui possède plus de 2 millions de followers sur les réseaux sociaux, allait participer au casting du jeu. Et ce dernier serait accompagné de l'acteur Travis Willingham, un acteur connu pour ses doublages dans la série Dragon Ball Z, One Piece, Bleach ou encore Naruto Shippuden. Le fait inquiétant, c'était que la photo était une photo du tournage qui semblait indiquer que les séances de motion capture n'étaient toujours pas terminées. 2 jours plus tard, c'est cette fois sur Instagram que Neil Druckmann postait une photo de lui accompagné de l'actrice Laura Bailey qui interprétera Anna dans The Last of Us Part II, que nous avons vu dans le trailer de la Paris Games Week en 2017. Neil indiquait ainsi que l'actrice venait de terminer ses séances de motion capture. Quelques jours plus tard, c'est sur Twitter que Neil Druckmann recommence et qu'il annonce que la scène finale de The Last of Us Part II venait d'être bouclée. Là encore, une bonne nouvelle qui est tout de suite mal interprétée par de nombreux fans. Tout comme au cinéma, les scènes d'un jeu vidéo ne sont pas tournées dans l'ordre. Ainsi, filmer la cinématique finale du jeu ne voulait pas dire que tout le tournage était terminé. Et cette crainte sera confirmée 2 jours plus tard, le 19 avril dernier. Neil Druckmann et Naughty Dog annoncent officiellement sur leur compte Twitter que l'ensemble des cinématiques du jeu venaient d'être terminées suite à une ultime scène entre Joel et Ellie. Beaucoup d'émotions du côté des Dogs avec Neil Druckmann qui avoue même que les larmes ont coulé suite à la fin du tournage du projet cinématographique le plus ambitieux jamais réalisé de leurs histoires. Mais là encore, il est important de souligner que ce sont seulement les cinématiques qui sont bouclées. La motion capture, les séquences de gameplay sont quant à elles pas encore terminées. Ainsi, comme l'annonce Naughty Dog sur son compte Twitter officiel, une belle étape est franchie, mais il reste encore beaucoup à faire. Ainsi, pour la fin de ce mois d'avril 2019, que pouvons-nous dire? De notre côté, nous ne croyons pas du tout à une sortie pour 2019, mais plutôt une sortie sur PS4 au printemps 2020 et un portage sur PS5 pour la sortie de la console, sans doute fixé entre septembre et novembre 2020. Tout simplement car d'après les échos que nous avons eus de la part de sources proches de Naughty Dog, le jeu a pris énormément de retard en 2017 et 2018 suite aux nombreux départs, dont celui de Bruce Straley, coproducteur du premier opus en 2013, et de Christophe Balestra, le français co-directeur de Naughty Dog depuis 15 ans. Les Dogs ont connu également de nombreux départs d'employés, ce qui a fait prendre beaucoup de retard au projet. C'est seulement depuis janvier 2019 que les effectifs commencent seulement à être de nouveau renfloués. Ainsi, de notre côté, on vise pour une sortie pour le printemps 2020. Il faut savoir que le plus gros d'un développement est la motion capture. C'est le processus le plus long et le plus complexe. Une fois cela fait, comme au cinéma, il va falloir rassembler les pièces du puzzle et assembler les scènes entre elles. Compléter certains passages par de nouvelles phases de motion capture, puis il y aura de longues semaines et de longs mois de tests pour trouver les bugs du jeu. Une fois cela fait, le jeu retournera dans les pattes des développeurs pour les séquences de débug. Et cela autant de fois que nécessaire pour avoir un jeu avec aucun bug, bien que le risque zéro n'existe pas. C'est à ce moment-là que le jeu sera prêt à arriver et ce processus est long, voire même très long et s'étend sur plusieurs mois. S'ajoute ensuite la campagne promotionnelle. Sony et PlayStation font partie des meilleurs en termes de communication, que ce soit avec le week-end au Danemark, au pays des Vikings, sous la neige pour la sortie de God of War l'année dernière, ou le week-end à New York dans la ville de Peter Parker pour Spider-Man. Il y a de grandes chances pour que PlayStation mette le paquet sur The Last of Us Part II avec plusieurs semaines d'avant-première pour la presse, des événements aux quatre coins du monde pour faire parler du jeu. Voilà ce que l'on peut dire à ce jour concernant The Last of Us Part II. La bonne nouvelle, c'est que le développement du jeu semble avancer à merveille et cela faisait de nombreux mois que cela n'avait pas été le cas. De notre côté, nous restons aux aguets de la moindre information, du moindre tweet, de la moindre image ou du moindre trailer. Pour ceux qui nous suivent sur Rockstar Mag, nous allons bientôt lancer nos séries de petites vidéos dès qu'une grosse information sera donnée pour vous informer au plus vite sur notre site, nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Et si vous aimez toujours les grosses vidéos récap comme celle-là, on continuera également à vous en proposer. Merci en tout cas pour tout le soutien et les incroyables retours. On se dit à très vite sur notre page Utip, mais aussi sur notre site, sur notre compte Facebook et Twitter. On n'oublie pas le like, le partage, le petit commentaire qui fait toujours plaisir, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se dit à très vite. Salut à tous!